Et je profite aussi à donner un conseil aux frères. Les frères qui écoutent mes cours. Alors, lorsque je ramène des positions, lorsque vous prenez, si quelqu'un par exemple a apporté l'avis d'un savant et que vous n'êtes pas d'accord, car, n'est-ce pas, cette position ne vous a pas par exemple convaincu. Je vous ai convaincu avec les arguments que j'ai mentionnés, qui ont été mentionnés par des savants aussi. Alors ici, là, lorsque vous venez pour contredire ces gens-là, les frères, emmenez les savants, n'est-ce pas? Mettez les savants devant. J'avais déjà dit ça dans un écrit. Tu mets les savants devant. Certains savants ont dit. Tel savant a dit. Maintenant, si tu veux toi-même donner encore plus de poids, peut-être que la personne va douter. Qu'est-ce que tu as bien compris, etc. Donc, tu te dis, ah, il faut quand même que j'apporte la parole d'un étudiant. Bon, tu vas dire, bon, Mohamed Oura a dit, mais tu m'emmènes derrière. Mais quand tu viens, tu dis, Mohamed Oura a dit, lui, il te dit le test avant, toi, tu dis, Mohamed Oura a dit, lui voit ça déjà comme c'est choquant. Parce que, bien sûr que l'étudiant en science peut contredire le savant, on a vu ça, on a vu les paroles des gens de science. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas prêts. Donc, il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de sagesse. Parce qu'avec cette façon d'agir même, il y a des gens qui peuvent me détester pour rien. Je ne leur ai rien fait. Mais comme à chaque fois, il vient, il dit le savant, il dit, toi, tu viens, tu dis Mohamed Ouradi. Le savant, tel savant a dit Mohamed Ouradi. Mais attends. Vous voyez? Donc, je réitère et j'insiste sur ça. Les frères qui suivent mes cours, mettez souvent les savants devant, les savants que je suis. Bon, même si je n'ai pas cité le nom, au moins vous dites certains savants ont dit. Le frère Mohamed Ouradi a rapporté que certains savants ont dit. Mais pas que. C'est-à-dire, tu me mets, lui, il t'a dit, cher Mbaza, toi, tu viens, tu dis, Mohamed Ouradi. Donc, ça, c'est un point aussi qui est important, Jade, que j'ai bien voulu rappeler. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination !